Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une review en français de notre Ghost Trap, donc en français le piège à fantômes. C'est une édition qui est sortie cette année. C'est une édition spéciale Walmart. Donc c'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu la trouves que dans les magasins Walmart. C'est toujours un petit peu le problème de ces éditions spéciales là. Qu'on retrouve et qu'on retrouve pas en Europe du coup. Alors moi j'ai trouvé un gentil américain qui l'avait acheté dans un magasin et qui me l'a gentiment envoyé contre de l'argent. Moi ça m'a coûté 70€ frais de port compris pour l'avoir. Là-bas ça vaut une bouchée de pain, c'est un truc de fou. Alors que bah, avec nous, avec l'import et tout ça, plus la marge qui se font, ça nous coûte un peu plus cher. Le petit délire en plus pour ce piège à fantômes, c'est qu'il a un système de déclenchement à distance, alors que l'édition qui avait été sortie par Ruby auparavant, c'était un truc où il n'y avait pas le déclenchement à distance. Je vous fais le petit tour. Il est vraiment très joli, taille 1-1. Il y a des détails qui sont sympas. On essaye de faire un effet plastique métal, on va dire. Ce qu'il faut penser à faire, c'est le customiser grâce à des petites planches d'étiquettes qu'on trouve sur le net. Mais là où on va pouvoir profiter, c'est le déclenchement à distance. Vous appuyez là-dessus. Et attention, effets spéciaux maestro. Donc à l'intérieur, il y a une LED verte qui fait l'effet fantôme. Et il y a du bruit. Et ça se referme. Voilà. Donc c'est ça le petit délire qu'il n'y avait pas avant. Et qui mérite quand même votre attention. Je vous montre de plus près. Là, tu vois l'étiquette Made in China, faudra la virer. Alors, remplacer, je vous dis, en mettant 2-3 étiquettes spéciales. Les vraies, celles qui a. Et le reste est bien fait, les emplacements des boutons, etc. Et dessous, on regarde un petit système de roues, hein, qui fait que. Hop! L'original, bah, c'est les roues, elles ne sont pas comme ça, mais bon, après ça aussi, ça se customise. Il y a des gars sur eBay qui vendent. Et puis, vous avez l'attache, là, parce qu'il est censé le porter à la ceinture, hein, le chasseur fantôme. Donc, bah ouais, à voir hein, si ça peut vraiment se mettre sur une ceinture de cosplay. Il faudra le tenter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la review de ce Ghost Trap Ghostbusters. Je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle review, un petit pouce, n'hésitez pas.